juste ton regard, viens vers moi. Est-ce que je peux t'appeler n'importe quel jour de la semaine à 4h du matin? Est-ce que tu acceptes de travailler le dimanche, à faire n'importe quoi pour n'importe qui? Est-ce que ça te pose un problème de plus avoir aucune de tes soirées? Chaque agent a en moyenne 80 comédiens. On les aide à trouver des rôles, on négocie leurs contrats, on les accompagne dans la gestion de leur carrière. En échange, on prend 10% de la rémunération. Mon petit poulain préféré a été pris sur les larmes du monstre. On en est où du contrat Guillaume Canet là-dessus? Ça suit son cours. Nous faisons deux acteurs maison sur le film. Gabriel, on en est où de Cécile de France sur le Tarantino? Trop âgé pour le rôle. C'est hiroshimesque. Cécile. Un contrat de plusieurs millions d'euros. Gabriel vient de laisser tout ça nous échapper. Mais je vais pas mentir à Cécile, moi. Cécile, c'est Cécile, quoi. Je l'aime trop. Le scénario, c'est la base de tout. Pas de scénario, pas de film, pas de financement, pas de comédien, pas d'agent, pas d'assistant. Je voudrais que tu me trouves combien Mathias a proposé pour Guillaume Canet sur Les Larmes du Monstre. Je fais comment? Bah, tu te démerdes, ma grande. C'est vous, Arlette Azemar. On m'a dit que vous étiez la plus grande impresario de Paris. C'est le fauteuil de Jean Gabin. Je pars en vacances au Brésil, hein, pas à la retraite. Il va me manquer. Oh, si je te jure. La mère monstrueuse et la fille insupportable. Elle est pas du tout insupportable. Mais ma mère n'est pas monstrueuse. Enfin, mais si je peux pas m'engueuler avec ma mère, avec qui je vais m'engueuler? Tu vas être mignon avec ça. Arrête, j'ai pris du pif, putain. N'importe quoi. Rends compte qu'il m'a traité de connasse, ce connard. Comment tu veux que j'ai un César avec un mec pareil? Et mon cœur me dit... Ah, putain! Bon, fin de répète. Bon, allez, casse-toi. Samuel, on est en réunion, t'es sur haut-parleur. Monsieur Kerr, Samuel est décédé. Il aurait avalé une guêpe. Mais quel con. Comme quoi, on peut avoir une vie pleine de panache et une mort de merde. Vous étiez les associés de mon mari. SK sans Samuel, qu'est-ce que ça va devenir? Je veux vendre. Qu'est-ce que tu fais, Cécile? J'ai un autre agent. Je sais qu'ils veulent pas de moi à cause de mon âge. À quoi ça sert, je te donne 10% de ce que je gagne si tu fais rien pour me défendre? Qui est le petit salopard qui a tout balancé à Cécile? Elle est où la tempe, là? Il y en a qui bossent en sous-marin pour la concurrence, c'est ça? Si le bruit commence à courir que des gens quittent l'agent, ça va être la débandade. On peut pas se permettre de planter ce film. Si c'est pas réglé dans 24 heures, j'interviens. J'aimerais que tu nous rejoignes chez Star Media et que tu te prépares à reprendre la tête de l'agence. Que je vous rejoigne. Avec tous mes clients, bien sûr. Ce qui ferait de Star Media la plus grosse agence de Paris. Et ce serait la mort d'ASK. C'est Mathias, il part avec tous ses talents à Star Media. Pourriture d'enfoiré. André, bonjour Françoise, c'est Andrea Martel. Bonjour Françoise, c'est Andrea Martel. Oui, bonjour Françoise, c'est Andrea Martel. J'ai... Ah, putain, j'ai poussé là. Tu sais, si t'étais pas là, des fois, je crois que j'aurais un petit peu envie d'arrêter ce métier. Mais oui, sous Hélène. Mais attends, Cécile, tu fais super mal le cheval, là. Tu m'avais dit que tu maîtrisais à fond, mais tu maîtrises rien du tout, là. Tu m'as menti, en fait. Gabriel, arrête. Gabriel. Everything that drowns me makes me wanna fly. Dans cette agence, il n'y a que des stars. La force d'un acteur, c'est sa fragilité. C'est comme un verre en cristal. Julie Gayet et Joey Starr ont disparu. Garderie. Non, mais ils veulent pas juste faire leur métier. C'est vous, ma famille. Vous et mes acteurs. Il y a certaines facettes de notre métier qui m'échappent encore. Ça promène, hein.